Voici notre boîtier de commandement. Le moteur est foutu. Voilà. Le moteur est foutu. J'ai beau parler. Aidez-nous. Atteindre nos objectifs en nous équipant. Aidez-nous avec cette voiture. Malgré ça, nous étions toujours sur le terrain en train de sauver les âmes perdues. Depuis hier, le moteur est foutu, carrément foutu. Vous savez que c'est le moteur qui est, n'est-ce pas, la force du cœur de la voiture. C'est foutu. Et donc, je fais comment? Et pour moi, c'est pour ceux qui aiment vraiment Dieu et qui aimeraient voir l'œuvre de Dieu avancer ici en Afrique et de permettre aux gens, qui ont droit à la vie, parce que l'homme a droit à la vie. Notre ministère consiste à détruire les délinquants et les criminels spirituels pour permettre à certaines personnes qui avoir la vie. Si nous n'avons pas les engins pour se déplacer, ce serait vraiment difficile. Il est encore très efficace. Malgré que nous avons ce ro-ro, comme j'ai l'habitude de l'appeler, ce ro-ro, mais nous allons souvent dans nos croisades d'évangélisation et d'utiliser le moteur de futur, il est irrécupérable. Voilà, la preuve c'est que vous avez vu le moteur. Voilà, je reviens encore là-dessus. Voilà, donc voici carrément le moteur qui est enlevé. Va siffler. Voilà, pour dire c'est. Vous pouvez pas lâcher le maréchal dans ce genre de situation. Si vous aimez vraiment, si vous aimez vraiment Christ et son œuvre, vous serez pas vraiment, vous ne resterez pas insensible face à vraiment ces crimes. Si vous aimez vraiment l'œuvre de Dieu, et que vous pensez que nous autres, qui avons laissé Abidjan, qui avons laissé des grandes villes, qui avons laissé, qui n'ont qu'une vision de gagner les villages, et à Christ, je pense bien que ça ne rentrera pas dans le roi des fous. Parce que l'amour sans les événements, si vous aimez vraiment Jésus-Christ, c'est le temps de nous aider, afin de promouvoir l'évangile. D'autres sont dans les villages, dans les villes. Mais pour nous, nous sommes chargés, nous voulons gagner. N'est-ce pas, au maximum des personnes. Et nous combattons ceux qui détruisent des êtres humains. Donc voici, la voiture est bousée. Je ne peux rien et j'attends que Dieu vous touche. J'attends des vrais enfants de Dieu qui ont la compassion des âmes, qui aimeraient avoir l'œuvre de Dieu avancer dans ces deux jours. Je vous attends et Jésus continue. Shalom.